Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Avec nous ce soir, l'expert Alexandre Stachenko. Alexandre, bonsoir, bienvenue, merci d'être là. Bonsoir, merci. On parle ensemble blockchain, crypto-monnaie, des crypto-actifs plutôt, hein, qui font un peu grise mine depuis quelques mois. Mais bon, c'est pas nouveau hein, pour ceux qui suivent ça depuis une petite dizaine d'années. Il y a eu, des succès et des revers. Là, c'est plutôt la phase quand même de repli après la folie d'il y a un an en fait. Hein. Rappelez-vous, fin 2017, c'était complètement dingue jusqu'à décembre, janvier, avant de reprendre l'ascenseur dans l'autre sens. Les cryptos qui d'ailleurs intéressent aussi nos gouvernants au niveau global, au niveau mondial, au niveau européen, au niveau français. La loi Pacte s'intéresse à ce monde de la blockchain, Alexandre. Tout à fait. Dans l'actualité française, en tout cas en ce moment, il y a un point qui est vraiment crucial, qui est celui de la loi Pacte, puisqu'en fait, c'est la première brique pour sortir d'un cadre réglementaire et législatif qui est un peu flou et qui ne permet pas une attractivité de notre pays. La loi Pacte, aujourd'hui, elle s'articule autour de trois grands points, en tout cas pour ce qui concerne les crypto-actifs et la blockchain. Le premier est connu depuis assez longtemps, puisqu'il fait l'objet de discussions à droite à gauche depuis plusieurs mois. C'est celui d'un visa qui serait octroyé par donc l'autorité des marchés financiers pour les levées de fonds en crypto-actifs. Donc lorsqu'aujourd'hui on veut faire une levée de fonds en crypto-actifs, on n'est pas encadré par une quelconque autorité de supervision et le marché est peut-être très anxiogène pour un investisseur. Et d'ailleurs on le voit en ce moment, aujourd'hui les chiffres commencent un peu à se replier, c'est-à-dire que les investisseurs ont compris que ce n'était pas forcément un gain garanti, un investissement garanti. Et donc on voit que la frilosité commence à arriver parce qu'on a vu qu'il y avait des arnaques, on a vu qu'il y avait des faux projets. Donc le visa de l'AMF, qui sera optionnel, fait partie de cette loi Pacte et donc devrait encadrer ce marché-là pour proposer plus de garanties sur les levées de fonds en crypto-monnaie. Mmh. Le deuxième point est peut-être plus cosmétique, mais en réalité il a une vraie importance symbolique, c'est que la loi Pacte va réaffirmer le droit au compte. On ne le redira jamais assez, le premier frein au développement des crypto-actifs et des blockchains en France, c'est tout simplement le fait qu'on ne peut pas ouvrir de compte. Donc en fait, l'industrie bancaire aujourd'hui, sous prétexte très généralement de la lutte contre le blanchiment, refuse d'ouvrir des comptes à n'importe quelle entreprise qui toucherait de près ou de loin aux crypto-actifs ou à la blockchain. Donc évidemment, sans compte, pas d'entreprise. Et donc aujourd'hui, on a cet énorme problème de compétitivité. Donc la loi Pacte aujourd'hui... Ça vient d'elle-même, pardon Alexandre, mais ça vient aussi des autorités. Enfin, le rapport de Monsieur Bitcoin, là, l'ancien sous-gouverneur de la Banque de France, Jean-Pierre Landau, merci, eh bien, quelque part, il disait pas autre chose. Il disait, on va laisser se développer ce secteur, et vous le dites très bien, sauf que on demande une porosité parfait. En gros, il faut que le monde classique financier ne tripatouille pas dans la blockchain. Tout à fait. Là, il n'y aura pas de risque systémique. Alors, le rapport de Jean-Pierre Landau, surtout en ce moment, on peut se perdre un peu dans les rapports en blockchain, puisqu'il y en a eu, on va dire, presque entre 5 et 10 sur les derniers mois. Depuis, c'est vrai. Ouais. Sur le rapport Landau en particulier, effectivement, j'ai été le premier d'ailleurs à dire que je le trouvais assez équilibré, en tout cas par rapport à ce qu'on pouvait attendre, ouais. Entre guillemets. Quelqu'un de la Banque de France. Exactement. Mais le profil de la personne, on s'attendait à avoir plutôt quelque chose à charge. Et en réalité, je trouvais le rapport très bien jusqu'à une certaine partie que j'évoquerai après, mais en tout cas je trouve que la compréhension du sujet pour quelqu'un qui a travaillé 6 mois dessus est monstrueuse. Fred Berger chez nous à l'époque avait dit attention, c'est comme demander à un canard ce qu'il pense du foie gras quoi. Voilà. Donc c'était effectivement la crainte qu'on pouvait avoir, ou même demander à la poste qu'elle pense de l'email ou des comparaisons un peu comme ça, mais en tout cas la compréhension qui a été effectuée est effectivement très bonne, et donc je suis premier à le dire et à le reconnaître. Par contre effectivement on était moins satisfait des recommandations qui étaient plutôt frileuses et qui recommandaient effectivement de garder une porosité complète entre le monde des crypto-actifs et le monde traditionnel. Ce à quoi j'oppose tout simplement que si la première partie du rapport dit qu'en fait on y voit bien une révolution, on y voit bien quelque chose qui va changer nos activités, la recommandation qui suit n'est en fait pas logique. Si on vous coupe les moyens de vos ambitions, exactement, c'est hypocrite. C'est le propos. Alors c'est de dire, ailleurs, soit c'est une révolution et dans ce cas-là on se donne les moyens de la faire, si c'en est pas une, alors pourquoi pas. Et accessoirement, ce rapport recommande une porosité effectivement, mais ne recommande pas par exemple des abus qu'on peut constater aujourd'hui, certaines startups de la communauté le constatent, c'est qu'on peut avoir une activité par exemple de conseil à une entreprise qui touche aux crypto. Et se voir donc interdit d'ouvrir un compte. C'est-à-dire qu'on ne touche jamais aux cryptos, même dans son objet social et dans ses statuts. On accompagne simplement une boîte qui y touche. Et on peut quand même se voir refuser un compte sous prétexte de blanchiment. Donc ça n'a aucun sens. Et donc cet article de la loi Pacte vient réaffirmer. CoinHouse qui a eu son agrément là, en tant que conseil, enfin la mère en l'occurrence, en tant que conseil sur l'univers CGP d'ailleurs. C'est le troisième. Pas pour le particulier. Alors il y a un troisième point d'ailleurs qui arrive sur la loi Pacte qui va concerner en particulier CoinHouse. Mais évidemment, ils seront plus à même de répondre sur ce sujet-là. Mais CoinHouse, effectivement, est une entreprise majeure de
l'écosystème français et propose aujourd'hui des services d'échange euros et crypto-actifs, donc notamment Bitcoin. Cependant, elle aujourd'hui, malgré toutes ces démarches pour montrer patte blanche et pour toutes ces procédures de ce qu'on appelle KYC, donc connaissance du client, on prouve que c'est pas de l'argent du terrorisme, etc. Eh bien, justement, elle trouve une oreille fermée de la part des banques et des régulations côté Banque de France notamment, qui ne lui permet pas justement de tomber dans la case d'un régulateur. C'est d'ailleurs un des problèmes que résout la loi Pacte, puisque aujourd'hui, on ne sait pas qui régule ces activités-là. Et donc, le troisième point que je voulais mentionner de la loi Pacte, c'est qu'effectivement, en discussion en ce moment, et probablement proposé vers la fin du mois de septembre lors des discussions en plénière, on va aborder le statut, donc la question d'un statut avec un agrément pour les prestataires de services en cryptoactifs. Et donc, à ce moment-là, il n'y aura plus d'opacité. Exactement, il faudra légaux, remplir vous aurez plein de conditions. Ouais. Donc, bien gérer ses clients, avoir tel et tel process, etc. Pour avoir pignon sur rue. Et dans ce cadre-là, si vous obtenez le statut, eh bien, le droit au compte, le problème du droit au compte devrait sauter, puisque les banques n'ont plus aucune raison de refuser un compte à quelqu'un qui a obtenu un statut d'une autorité de régulation. Donc ça, c'est vraiment les trois chantiers. Les autres ne nous ont pas attendus. Et même les Chinois, je pense, en 2017, avaient mis le holà. La première plateforme aujourd'hui de crypto-monnaie, elle est chinoise. Elle est chinoise, tout à fait. Et ce qu'on dit peu, en fait, c'est que quand on dit la Chine a interdit les crypto-monnaies, en fait, en réalité, c'est plus précis que ça. La Chine a interdit les ICO, qui sont la création de nouvelles monnaies à travers ce mécanisme-là. Mais les cryptos en tant que telles, celles qui existent, celles qui vivotent, celles qui vivent tout simplement, ne sont pas interdites du tout. Et d'ailleurs, c'est une critique très souvent. On dit souvent la plupart des acteurs du minage, donc de sur Bitcoin, qui créent les Bitcoins, sont en Chine. On a des plateformes d'échange qui sont en Chine. Et donc, on a un environnement qui finalement est propice à la création de ce genre de choses. Et donc, cette plateforme-là, qui était, je le rappelle, on parle d'un acteur qui s'appelle Binance. Sur Binance, ce que vous faites, en gros, c'est que vous arrivez avec vos propres cryptos et vous venez les échanger contre d'autres. Donc c'est comme si vous vendiez On ne peut pas arriver avec des euros et des dollars. Non, c'est vraiment, en gros, c'est d'ailleurs un des aspects marquants de la stratégie de Binance. Ils ont refusé. Et en fait, exactement. C'est l'inverse. C'est-à-dire que pour toutes les autres qui ont voulu intégrer les monnaies traditionnelles, ça a été un frein. Coinbase et autres, ouais. Parce qu'elles ont dû se confronter aux différents régulateurs. Alors que Binance a dit, moi je ne touche pas aux monnaies. Elles sont hors système, quoi. Exactement. Donc on va échanger des bitcoins contre des Ethers. Ça marche ou pas? Ça marche très, 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 très bien, puisque cette entreprise n'existait pas il y a un an. Ça a été créé en juillet 2017. Aujourd'hui, c'est 1 milliard de profits qui sont attendus pour l'année 2018. Donc, 1 milliard de profits, c'est monstrueux. Wow. On savait déjà qu'au premier trimestre, d'ailleurs, ça avait fait beaucoup jaser, c'est que Binance avait annoncé un profit qui était supérieur à Deutsche Bank. Incroyable. Et donc, on se dit, pour une start-up qui, à l'époque, n'avait même pas un an, puisqu'en mars, ça n'avait pas un an, on est déjà sur des profits supérieurs à 2 jours. Donc, attention, c'est quand on dit on rate le coche, c'est ça qu'on rate. On est en train de rater potentiellement le prochain Google, le prochain Facebook qui est dans ce milieu-là. Alexandre Sachenko avec nous ce soir. Alors, on en pense qu'on veut, mais voilà, c'était bien aussi de vous entendre ce soir. Le fondateur de Blockchain Partner dans Tech & Co sur BFM Business. Merci. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business.